Messieurs, Mesdames les judokas, Messieurs, Mesdames les présidents, chers amis, nous sommes réunis dans ce gymnase pour te féliciter, Yves, et te montrer notre fierté. Ce soir, j'aurai la casquette ceinture noire, et non, comme le dit si bien Alfredo, celle de la femme du champion de judo, car elle est plus facile à porter. Depuis le 14 mai, tu as atteint ton objectif, devenir ceinture noire 6e dan. C'est pour tous les judokas, tes amis et ta famille, la juste récompense d'une passion, de sacrifices, avec des entraînements, des compétitions au plus haut niveau, nombreux titres du championnat d'Aisne à la sélection championnat d'Europe en 1973. Si son professeur Daniel Liénard lui avait appris à se battre, je lui avais appris à aimer le judo. Je le remercie pour ce compliment, mais quand on parle d'amour du judo, il ne faut surtout pas se tromper. Et si c'est l'amour du judo qui a poussé Yves à obtenir cet éminent grade de 6e dan et le droit de porter la ceinture blanche et rouge représentant en soi le bâton de maréchal de tout professeur de judo, c'est-à-dire celui qui possède la maîtrise de l'art du judo. L'événement est arrivé par la bouche du vice-président de la fédération, André Bourreau, qui donnait la liste des élus. Boutefeu, Yves. Alors est monté en nous ce que l'on ressent intimement au plus profond de soi-même, ce qu'il est convenu d'appeler tout simplement le bonheur. Je vais demander à ma fille Lolita d'offrir un petit présent à Yves de la part de l'AJA, du club AJA. Voilà. En souvenir. Et merci. Merci. Alors, parmi ce beau parterre de tenue blanche, vous chercherez l'erreur. Hein, vous la trouverez facilement puisque je suis à l'opposé de la couleur qui est là. Mais je suis très honoré d'être là et de représenter bien évidemment la commune d'Anor pour Yves Boutefeu, et je pense que je suis très content, et je pense que lui aussi l'est, de voir autant de personnes présentes, bien sûr de judoka, d'amis qu'il a côtoyés au cours de sa longue carrière, de jeunes qu'il a formés qui aujourd'hui ont pris des responsabilités, de jeunes qu'il continue à former, d'amis qui sont dans la salle. Et je pense que c'est un grand honneur que de venir saluer. Je crois que c'était une cérémonie de tout repos pour lui, mais en réalité, avant de voir un coup, il aura dû passer quand même pratiquement une heure, voire un peu plus, sur le tatami pour montrer les si nombreux, c'est pour lui rendre hommage. Et moi, personnellement, je crois qu'on doit l'applaudir de tous ses efforts.